J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Désolée pour la luminosité. Je n'ai pas tout mon matériel de filmage. Je ne suis pas à la maison. Je vous retrouve dans un hall, Maison du Monde et Casa. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, du coup, le sac se présente comme ceci. Et voilà, je le mets à côté de moi. Je fais attention parce que tout est fragile. Donc tout d'abord, nous avons un pot à crayon, comme ceci, avec des motifs géométriques, qui nous a coûté 5 euros. Oui, un petit peu cher pour ce que c'est, mais... Du coup, nous avons deux petits crayons pour 2 euros. 1,90 euros, mais bon... À 10 euros près, à 10 centimes près. Voilà. Nous avons aussi du masking tape. Donc nous avons aussi deux rouleaux de ruban. Et tout le reste du masking tape. Donc du coup nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 rubans pour 10 euros. Pour 9,90 €. Donc du coup nous avons une petite tasse comme ça pour l'hiver qui est super chouette. Ça présente comme ceci. Et celle-là m'a coûté, il n'y a pas de prix dessus. Du coup je vais vous dire ça tout de suite. On a le ticket de caisse. Ça c'est quoi ça? Je sais pas. Ça m'a coûté dans les 10 euros, hein, pareil. Je suis passant, j'arrive pas à tout comprendre sur les tickets. Et du coup, on a cette petite tasse qui est trop mignonne. Mais je suis trop déçue. Je dois aller tout à l'heure à la Défense avec ma tante pour acheter deux trucs qui me manquent. Et du coup, ben, je vais aller rendre cette tasse pour qu'elle m'échange. Parce que j'ai pas fait attention, mais l'écriture est partie. Normalement, c'est marqué « Tropicool ». Et on voit plus le T et le R. Donc je suis un peu déçue. Donc je vais aller la rendre. Donc du coup je la laisse dans l'emballage. Et je vais aller la rendre. Parce que c'est... Faut que je la rende. Hein. Avec le ticket. Donc du coup je laisse le ticket à côté de moi. Avec ça. Du coup après nous avons... Une petite boîte à thé. Qui se présente comme ceci. Qui est juste trop belle. Et elle est comme ça à l'intérieur. Il ne faut pas que je la lave parce qu'elle est un petit peu poussiéreuse. Mais elle est super canon. Et elle m'a coûté 11,90 €. Et la tasse, elle m'a coûté 11 € aussi. On met tout dans l'emballage parce que c'est très très fragile. Du coup, nous avons des assiettes. Donc, j'ai pris celle-là pour manger le soir. Mais c'est un peu une grande assiette. Hein. J'ai pas fait gaffe, mais elle est un peu creuse. Mais c'est pas grave. C'est pour, par exemple, quand je mange la sauce. Du coup, elle m'a coûté 4 €. Voilà, c'est des motifs triangulaires. Bleu, gris et jaune. Et rose paille. Rose paille. Et nous avons cette assiette là qui est. Ce sont des cubes en fait. Et elle m'a coûté exactement le même prix. 3,90 €. Moi je dis 4 € pour que ça soit tout rond. Mais voilà, si vous voulez la détaille près, ça fait 4 €. 3,90 €. Du coup, après, nous avons des assiettes, d'autres assiettes. Mais ce sont des assiettes petites cette fois-ci. Elles sont petites, des petites assiettes. Elle a très bien emballé la dame pour éviter que ça se casse dans le transport. Donc, il y a celle-là, c'est les mêmes motifs en fait. Je vous montre comme ça. Et elle a coûté 3,59 €.
Et celle-là, c'est la même chose, c'est juste qu'elle, elle est moins profonde. C'est une assiette comme ça. Et voilà, je vais vous refaire un haul. Je n'ai pas tout acheté, il me manque des bols, des poêles, un drap. Il me manque un oreiller aussi, un oreiller pour dormir. Il me manque un peu beaucoup de choses. Du coup, j'irai acheter tout ça ce soir. Du coup, ben, je vous ferai un haul demain. Un autre. Ça sera la deuxième partie. Et donc, du coup, nous avons une petite bougie qui se présente comme ceci. Il y a marqué Star the Day with Smile. Et elle est mais trop trop belle avec une petite étoile comme ça où on peut marquer son petit prénom. Je trouve ça super classe. Et elle sent trop trop bon. Et elle a coûté 4,50€. Et c'est pas marqué quelle odeur. Mais je pense que c'est la vanille. Voilà. Je suis pas sûre, mais c'est pas marqué. Donc, du coup, voilà. Voilà, c'est tout pour ce petit haul de chez Maison du. Donc, nous passons maintenant à Casa. À Casa, je me suis acheté un tapis comme ceci. Voilà, avec des motifs. C'est comme un attrape-rêve, c'est des trucs holographiques. Non. Des triangles et tout comme ça. Voilà. Et c'est un tapis 60 par 90. Voilà. Et c'est un tapis qui se présente comme ceci. Désolée si on ne me voit pas. Il est très très beau. Puis ensuite, je me suis acheté une panière à linge sale. Comme ceci. Je ne vais pas la déballer parce qu'en fait, j'ai besoin de la garder dans sa boîte. Pour quand je pars, quand je vais m'installer, que je puisse, que ça puisse être plus facile pour moi de la transporter. Puis je me suis acheté un super coussin. Comme ceci, avec des pailletés. Donc c'est des glitters. Donc comme ceci. Donc je trouve très très beau. Et voilà. Regardez comment il est mais magnifique. Il est super beau. Et moi j'adore et je le trouve trop sympa. Donc je le mettrai dans ma chambre. J'ai pas acheté beaucoup de coussins. Je me suis dit que j'allais voir après parce que si j'ai plus de place dans mon lit après. Comme ça je puisse en acheter encore un autre et puis c'est tout. Mais au moins, si j'ai plus de place, que j'en ai déjà un. Et puis c'est bien parce que j'ai un lit, une place en fait. Il fait mon lit fera 100 sur 1m80. 10 je crois. Et à Casa, j'ai acheté aussi une rallonge qui se présente comme ceci. Une petite rallonge, voilà, à 4€. Deux cintres pour 10€. Deux lots de cintres pour 10€. Donc pour 10€, j'ai eu 8 cintres, quoi. Parce qu'il y a 4 cintres par lot, en fait. Et j'en ai pas acheté beaucoup parce que ma tante va m'en donner quelques-uns. Et ma mère va sûrement m'en ramener. Ma tante va me rendre visite, m'en ramener un peu. Parce qu'elle en a trop chez elle. Du coup, elle m'en donnera quelques-uns. Mais pour l'instant, 8, ça devrait suffire. Pas largement, mais suffire pour le moment. Et pour le top du top, je me suis acheté, attendez, top, je me suis acheté une petite lampe de 1m50 de haut. Du coup, elle fait ma taille. À peu près ma taille. Moi, je fais à peu près 1m48,5, mais je compte 1m49 parce que tout le monde veut que ça soit précis. Du coup, elle va être un tout petit peu plus grande que moi, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et du coup, je n'ai pas acheté tout de suite d'ampoule. J'irai ce soir acheter une ampoule LED à Auchan. Donc, il faut s'acheter une ampoule compatible lumineuse, énergétique, donc du coup LED. Et je l'achèterai à Auchan parce que ça coûtera beaucoup moins cher.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!